Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous nous sommes justement réunis ici pour continuer notre conversation. Nous comprenons que c'est extrêmement difficile pour un être humain contemporain, même de se mettre sur la voie spirituelle et de commencer à investir la force de son attention, non pas vers ses distractions que le monde moderne lui présente, mais vraiment vers son développement spirituel. Pourquoi est-ce difficile? Parce que, premièrement, je dirais, c'est à cause de la surinformation et des médias. Mais encore, la vie elle-même, elle est trop brève et trop rapide. En plus, personne ne peut déjà nier qu'il y a justement une accélération du temps. D'un côté, comme on a 24 heures dans une journée, on en a toujours autant. Et on ne peut pas dire qu'il y ait une seconde de perdu, mais d'un autre côté, même les enfants parlent du temps qui s'écoule trop vite. Le courant du temps et les périodes de temps mesurées, lorsque ce à l'aide de quoi nous les mesurons se trouve à l'intérieur du système, cela bouge en même temps que le système. Et pour lui, soi-disant sa 24 heures se conserve avec chaque seconde de la même manière. En revanche, intérieurement, nous comprenons que l'accélération joue un rôle très important. Et toute la matière est en mouvement avec l'accélération. Naturellement, cela affecte aussi le courant du temps. Et nos 24 heures commencent à se réduire. Il suffit de se souvenir, en tout cas, c'est sûr que nous avons de quoi comparer avec Igor Vladimirovitch. Il y a une différence considérable de comment le temps s'écoulait il y a 40 ans et comment il s'écoule aujourd'hui. Et de nombreuses autres personnes remarqueront que maintenant, même lorsqu'une personne attend quelque chose et que cette attente devrait se prolonger, elle passe tout de même beaucoup plus vite qu'autrefois. Voilà pourquoi la compression du temps physique, disons ainsi, à la fin de l'existence de ce monde, était décrite il y a bien longtemps. On écrivait beaucoup là-dessus, on en parlait beaucoup. C'est pourquoi, disons, en comprenant toutes ces conditions dans lesquelles l'être humain d'aujourd'hui existe, nous essayons du moins de se faire entendre quelque peu. Malgré que nous ayons beaucoup parlé, et depuis longtemps, des faits qui se passent déjà aujourd'hui, et dont tout le monde s'aperçoit et le remarque, et pourtant, quand nous en parlions, cela n'était pas encore visible, en tout cas, par la fenêtre. Maintenant, on peut le voir. Mais néanmoins, les gens considèrent cela à la légère. Nous n'essayons pas de faire peur à qui que ce soit, aucunement, par les changements climatiques. Tout d'abord, cela serait tout simplement indigne de nous. C'est pourquoi nous ne le faisons pas, mais nous sommes tenus de le dire, ne serait-ce que pour avertir ceux qui écoutent. Il faut noter qu'aujourd'hui, énormément de gens nous écoutent et énormément de gens nous rejoignent. Et là, c'est aussi intéressant. Le mouvement Alatra, l'organisation de fait existe, bien sûr. C'est un mouvement public international Alatra. L'organisation existe parce que les gens sont réunis. Également, on peut l'appeler une communauté, un mouvement vers la voie spirituelle de chaque individu, et ce, dans leur propre religion. Ici, il y a seulement la pratique et réellement le travail spirituel sur soi, ou encore faire tout simplement quelque chose de positif et de bien, c'est-à-dire ce qui unit. Nous avons énormément de participants des différentes confessions, et c'est merveilleux. Par le seul fait que les gens appartenant aux religions diverses essaient d'y trouver la vérité. Et aujourd'hui, le projet, une seule et même graine, qui est organisée par les gens et qu'ils mettent en œuvre, c'est un projet remarquable. Pourquoi? Parce qu'il permet à de nombreuses personnes de retrouver ces graines dans différentes religions qui les unissent ensemble. Et cela, véritablement, je pense, Anichka en parlera un peu. Cela soude véritablement les gens. Pourquoi? Parce que les gens commencent à comprendre que c'est seulement la conscience qui les divise. Si on la retire, il reste que l'amour, il reste la liberté et la vérité. Ce qui reste, c'est ce bonheur sincère qui est un pour tous. Et on ne peut pas le dire autrement. Et Dieu merci, tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui le comprennent. Quand je fais connaissance avec le mouvement public international Alatra, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens dans le monde entier avec de bonnes intentions,
Ce sont des gens de différentes niches de la société, des gens de nationalités différentes, de confessions et de professions différentes. En réalité, tous sont très familiers et proches, surtout quand tu commences à étudier combien nous avons de points en commun. Les participants de l'ATRA TV dans le monde entier réalisent un grand nombre de projets intéressants, d'émissions, qui font partie de sphères tout à fait différentes. À l'ATRA TV, Tchécoslovaquie est avec vous, le mouvement public international à l'ATRA. Je sens que nous sommes tous en contact, nous nous inspirons les uns les autres. Avec des cultures et des langues différentes, réaliser l'importance de s'unir et d'atteindre le vrai changement à travers la bonté, l'amour et la paix. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les participants du mouvement à l'ATRA, qui, en s'inspirant des livres d'Anastasia Noller, ont créé ce mouvement si magnifique et si bon. Le mouvement public international à l'ATRA a été créé par les gens à partir des connaissances et grâce à leurs souhaits afin que se multiplie la bonté, qu'elle se répande à partir des connaissances. Quand j'ai rencontré le mouvement à l'ATRA pour la première fois, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens dans le monde avec de bonnes intentions, de différentes nationalités, croyances, professions. Il y a des hindous, des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes. Ils sont tous unis par une idée commune, l'aspiration à l'unité, indépendamment de la nationalité, des castes ou des origines. Le mouvement à l'ATRA, c'est là où l'amour, la bonté, la sincérité sont réalisés dans les actions des gens, dans leur simple journée. Maintenant, je voudrais donner la parole à Anichka, afin de parler un petit peu sur une seule et même graine, ce projet qui est le vôtre, à quel point il est important pour les gens qui y participent et combien cela unit le monde entier. Nous avons aussi noté avec satisfaction le fait que les gens qui partagent notre opinion s'avèrent être partout dans le monde et qu'ils sont nombreux. Et que Dieu soit loué. Et merci à eux pour ce qu'ils sont. Et cela est réjouissant. Cela montre que, en tout cas, ce n'est pas pour rien que nous donnons notre temps que nous pourrions consacrer à quelque chose d'autre. Mais nous le consacrons à parler un peu avec vous et au moins expliquer quelque chose d'une façon quelconque. Oui, le projet Une seule et même graine, c'est réellement aujourd'hui, tout simplement une immense possibilité pour chaque personne, quelle que soit sa religion ou sa nationalité, d'avoir une compréhension plus profonde de tous ces écrits du monde et de cette seule et même graine commune qui en est à l'origine. Maintenant, les participants du projet Une seule et même graine communiquent et interviewent des chercheurs du monde entier et aussi des gens participant aux sondages sociaux. Et ce que nous observons déjà, c'est l'énorme intérêt de personnes de pays absolument différents qui rejoignent le projet. Et ils le rejoignent entraînés par un élan sincère de vraiment comprendre, car voilà ce que les gens du pays de la CEI, des pays des Amériques et du Nord et du Sud, ainsi que d'Extrême-Orient, racontent pendant ces appels en ligne. Les gens partagent ces histoires très similaires sur le fait qu'ils cherchaient, c'est-à-dire qu'ils cherchaient et étaient souvent en quête spirituelle. Et là, véritablement, tous les gens qui essaient sincèrement de trouver Dieu, qui ressentent cet élan intérieur, ils appartiennent à des religions différentes. Et voilà que tout le monde le cherche. Ils cherchent vraiment, alors que tout est simple. Oui, c'est simple. Et ils partagent le fait que l'être humain veut comprendre. Oui. Et là, il y a un point intéressant. Quand les gens commencent à pratiquer, quand ils commencent à ouvrir les yeux sur leur propre religion, ils commencent à comprendre réellement le fait que Dieu existe. Non pas seulement la foi naît en eux, comme on leur insinuait, mais une assurance apparaît en eux qui rejoint les connaissances. Même sans avoir de l'expérience, les gens commencent à ressentir que c'est la vérité. Et c'est là que c'est merveilleux. Et ce sentiment, il encourage pour le partager davantage. C'est juste. Voilà pourquoi aujourd'hui, on prend beaucoup d'initiatives, c'est-à-dire chaque personne, par exemple, quelqu'un qui connaît une langue étrangère, même si ce n'est pas à la perfection, mais déjà elle entreprend cette compétence pour que ses
connaissances soient appliquées pour le bien, pour unir les gens. Ou par exemple, ces gens font intervenir leurs amis, leurs connaissances. Des gens de métiers absolument différents rejoignent ces initiatives et révèlent en eux-mêmes un tel potentiel de chercheurs dont ils n'imaginaient même pas l'existence avant. Et les gens sont tellement inspirés en réalité par l'idée de s'unir, car chacun en vérité le ressent intérieurement. C'est-à-dire, vous savez, il y a un tel sentiment sincère que cela a déjà pris de la maturité chez tous, sur tout continent, dans chaque ville. C'est-à-dire comme si les gens attendaient cela, tout simplement. Et c'est ainsi, c'est le besoin. C'est véritablement le besoin. Car en réalité, de nombreuses personnes, elles ressentent ce qui se passe avec le climat, ressentent ce qui se passe avec le monde dans son ensemble. Et elles ressentent ce besoin qui a réellement énormément mûri aujourd'hui dans l'évolution spirituelle, le développement spirituel. Dans ce qu'on leur raconte, ils ne trouvent pas de réponse à leurs questions intérieures. Et voilà, les gens essaient de comprendre. Et quand ils commencent à trouver, naturellement, toutes les barrières s'écroulent. C'est la vérité. Oui, en effet, c'est la compréhension. C'est ce que nous voyons maintenant. Et cela ne peut que réjouir. Ne serait-ce que, car cela donne une chance. Et quelle est cette chance? Nous en parlerons un peu plus tard, je t'en prie. Vraiment, voilà. Comme vous le dites, les barrières s'écroulent. Et ce que les gens remarquent, pourquoi justement dans Alatra, ils trouvent ce qui est vrai intérieurement, ce qu'ils cherchaient, ce dont vous avez parlé, ce sont les connaissances réelles intérieures, qui orientent vers la compréhension du fait qu'à la base de n'importe quelle religion se trouve la même chose. Et lorsqu'une personne a déjà été en contact avec tel ou tel enseignement, simplement on nous a raconté des histoires similaires, venant de Corée ou de Londres, en réalité de sources différentes, en général, et de divers coins du monde, les mêmes histoires que la personne cherchait par-ci, par-là, et partout on dirait qu'il y a quelque chose, mais superficiellement. Et là, même de telles histoires, quand les gens ont lu, ne serait-ce que les deux premiers livres, ou ont regardé une émission, et c'est tout. Ils ont déjà saisi l'essentiel, ils ont déjà ressenti, et ils appellent tout de suite, disant « Nous souhaitons agir, nous souhaitons être bénévoles, chercher quelque chose qui nous unit. » C'est parce que nous disons la vérité, nous parlons de l'essence, nous partageons notre expérience. Ce qui est le plus important, nous n'avons besoin de rien de la part des gens. Car c'est un facteur clé. Car toutes les institutions qui sont établies, c'est clair que nous vivons dans un monde matériel et que ces institutions ont besoin de moyens pour exister. Mais vu que ce sont des institutions consommatrices, alors naturellement, il y a une petite métamorphose ici, lorsque la vérité se transforme. Pour parler poliment, en une source de revenus et d'existence de cette organisation. Chez nous, tout est différent. Chez nous, c'est chacun en fonction de ses possibilités et celui qui le souhaite. Si quelqu'un fait quelque chose, il le fait par lui-même. Il ne demande rien à personne. Nous faisons simplement ce qui nous plaît, ce que nous souhaitons et ce vers quoi nous aspirons. C'est dans cela que réside tout le sens. Bien sûr, cela interloque de nombreuses personnes. Elles posent des questions, ne serait-ce que notre groupe de tournage. D'où viennent les caméras? D'où vient tout cela? Oui, tout appartient à des gens. Simplement à des gens. Simplement à des gens. Cela appartient à ceux qui l'ont apporté. C'est les leurs, même comme ces locaux et tout le reste. C'est la propriété privée de différentes personnes. Mais nous l'exploitons, de la même manière que nous partageons notre propriété. Mais là encore, nous partageons avant tout pour les gens. Oui, nous dépensons du temps, nous gagnons notre vie. Mais ces ressources, disons ainsi, nous ne les employons pas pour notre consommation personnelle. Nous essayons d'en faire quelque chose, de créer quelque chose. Et pour nous, ces ressources, ce sont seulement la source de certaines possibilités, mais pas plus. Mais en aucun cas, ces ressources ne sont une source d'enrichissement pour nous en tant qu'individus. Cela serait comique et faux. Il y a des personnes qui arrivaient chez nous en ressentant qu'ici, il y a ce qu'on appelle de la force, la latte même. Beaucoup cherchent justement cela, comme de la magie, pour obtenir une certaine force afin d'améliorer leur vie matérielle ou de réaliser leurs désirs cachés venant de l'orgueil. Évidemment, n'obtenant pas cela, ils critiquent un peu Alatra. Ils disent « Et qu'en as-tu obtenu? Excusez-moi, ce n'est pas un point de vente qui vend ou donne quelque chose. Chez nous, tout est transparent. » Et nous parlons de tout, et donnons aux gens. Nous parlons de ceux avec quoi ils vont se heurter. Ce sont des personnes qui partagent leur expérience spirituelle véritable, ce qu'elles éprouvent sur leur voie, et ce qu'elles éprouvaient déjà, ces acquis qu'elles obtiennent.
Elles ne les cachent pas, elles les partagent. Elles en parlent vraiment. Et voilà encore un point intéressant. Car depuis la nuit des temps, tout repose sur un certain mystère, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Cela attire la conscience très fortement. C'est vraiment attirant. Pourquoi ? Pour la conscience. Pour les gens spirituellement libres, et de nombreuses personnes ont confirmé cela. Les gens le ressentent, cela ne les étonne pas, tandis que pour la conscience, c'est séduisant. Et pour la conscience, c'est justement le mystère qui a toujours été séduisant, ce qu'utilisaient précisément beaucoup de gens, en faisant des connaissances élémentaires un grand mystère. Ils couvraient cela par l'obscurité, par certains actes secrets, certains rituels, et choisissaient aussi le rôle de soi-disant intermédiaire. La question est ailleurs. Tout ce qui est secret et invisible, cela attire réellement les gens. Mais qu'est-ce qui attire ? En premier lieu, cela attire la conscience des gens. Pourquoi ? Parce que tout cela confine à une certaine magie. Cela confine à quelque chose d'inconnu, avec certains phénomènes, ainsi de suite. Bien qu'en réalité, à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant quand les gens s'occupent de leur propre développement spirituel. À ce moment-là, les vrais miracles commencent, quand ils cessent de jouer à la spiritualité. Je dirais ainsi, doucement et soigneusement. Parce qu'en réalité, de nombreuses personnes, elles créent simplement l'apparence qu'elles sont engagées dans leur propre développement spirituel. Cela les arrange parfaitement. Eh bien, en réalité, ce n'est qu'un jeu. C'est comme lorsqu'une personne prend une certaine image et essaie de lui correspondre pendant quelque temps, quand elle est en public ou lorsqu'elle s'ennuie, pour se distraire par quelque chose. Alors que le développement spirituel ne peut pas être un jeu, c'est la vie. Et quand les gens commencent à vivre réellement, à vivre par leur propre développement spirituel, quand ils aspirent vers la liberté, vers la vraie liberté intérieure. Pas cette liberté illusoire que la conscience impose. Il est impossible de la trouver, cette liberté provenant de la conscience. Alors que la liberté spirituelle, cet amour sincère et vrai, qui, disons, n'est donné à une personne que par le travail, par un vrai travail, c'est à ce moment-là que de vrais miracles commencent. En réalité, il y a beaucoup de gens qui ressentent ce que vous dites maintenant. Et ils le ressentent même en étant simplement en contact à un certain niveau avec les connaissances, que ce soit les émissions ou les livres. L'action se réveille immédiatement à l'intérieur. Et cette action, elle mène à ce que la personne, même seule, vaut 1000 personnes, parce qu'elle commence à entreprendre autant de choses, comme vous le savez, activer toutes ses ressources et possibilités. C'est juste, afin de transmettre cela plus loin, afin de... Et là aussi se trouve un petit phénomène. Pourquoi une personne, quand elle rencontre les vraies connaissances, quand elle reçoit la première expérience spirituelle, la vraie expérience, non l'illusion que lui impose la conscience ou que quelqu'un lui raconte, mais réellement, une expérience. Pourquoi sa capacité de travail augmente-t-elle de plusieurs fois ? Parce qu'elle devient libre. Elle est spirituellement libre. Elle est libre intérieurement de tout ce fardeau matériel. Elle comprend qu'elle peut aussi rendre libre d'autres personnes, que ce qu'elle ressent, d'autres aussi peuvent le ressentir. Et pourtant, c'est le sentiment de la joie infinie. C'est ce bonheur auquel les gens aspirent. C'est cette vraie liberté pour laquelle les gens luttent. Elle est toute proche. Et cette compréhension, cette révélation pour la personne, il est impossible de ne pas la partager. Ça vient de l'intérieur. C'est pourquoi cela se passe ainsi. Car personne ne les oblige, personne ne les demande. C'est un désir intérieur et une aspiration intérieure. Il y a aussi la compréhension de cette responsabilité qui apparaît à l'intérieur. La responsabilité avant tout pour ces gens qui se noie simplement. Naturellement, Alatra a un énorme avantage, seulement parce que nous parlons de la vérité qui est. Nous parlons de ce que, comme disent les autres, tu dois faire. Nous ne parlons pas du fait que quelqu'un doit quelque chose à quelqu'un. L'être humain est libre dans le choix et il a même le droit de faire des erreurs. Quand la personne vient sous l'influence de la conscience, mais elle vient en ressentant, c'est justement la personnalité qui la pousse intérieurement pour que la personne commence à grandir spirituellement. Et c'est exactement comme ce qu'Anichka disait. Les gens voient la vérité. Ils retrouvent la liberté à partir des premiers mots, des premières compréhensions. Quand ils comprennent que leur conscience est mensongère, qu'ils divisent, quand les gens comprennent qu'il suffit d'enlever la conscience,
Et que reste-t-il alors ? D'enlever exactement les fixations de la conscience. Et il s'avère qu'il n'y a pas de division. Il s'avère qu'il y a seulement l'amour. Et cet amour, il unit tous les gens. Et tous les gens sont égaux. Et tous les gens, c'est une grande famille. Et les frontières ont encore d'autres choses. La politique, ce sont des conventions qui sont créées, qui existent dans le monde moderne. Mais ce n'est pas un facteur déterminant. Ce ne sont que les conditions de l'existence de leur corps. Mais spirituellement, tous les gens sont des proches. Ils sont plus proches que les proches. Mais la conscience raconte complètement autre chose. Je l'ai dit déjà plus d'une fois, que même dans nos familles, on met des barrières. Les gens, dans une petite cellule humaine, n'arrivent pas à mettre de l'ordre. C'est dans les religions ou dans la vie mondaine, oui. C'est-à-dire nous sommes un frère, une sœur, et ainsi de suite. Mais pourtant, sur le plan spirituel, chaque personne comprend. Celui qui a de l'expérience, je m'adresse au nôtre. Il n'y a pas de genre. Et c'est là que réside justement tout le phénomène. L'âme ou la personnalité, elle n'a de différence de genre que par son corps, dans lequel elle se trouve, et sous la dictée de la conscience. La conscience, elle manipule toujours, elle dicte toujours un tas de désirs, de différences et tout le reste. Mais lorsqu'une personne retrouve la liberté, elle devient cet ange, un être asexué. Et c'est là que réside le paradoxe. Et là, il y a une organisation énorme, une communauté, enfin peu importe comment on l'appelle, mais les gens commencent à se ressentir les uns les autres, simplement des personnes proches et chères. C'est simplement, disons-le ainsi, l'un dans la multiplicité. C'est en cela que réside le sens. Et pour beaucoup de gens, c'est disons ainsi, pour ces gens qui ne s'occupent pas d'eux-mêmes et n'approfondissent pas les sens d'Alatra. C'est précisément ce qui est incompréhensible. Et que cherche toujours la conscience? Le pouvoir sur autrui, sur son semblable. Mais la personnalité n'aspire jamais à cela. Voici le paradoxe. L'être humain qui est libre des schémas stéréotypés du système, libre de celui qu'on appelle dans les religions le diable, n'a rien d'autre que l'amour. Oui, il y a un souhait. Oui, il y a une aspiration immense à aider. Oui, ils font, ils racontent, mais en même temps, ils sont libres de tous ces mystères, d'autres choses encore. Car il n'y a aucun mystère dans Alatra. Qu'est-ce qui encore, pour beaucoup de gens qui rencontrent Alatra pour la première fois, n'est pas clair? Pourquoi? Qu'est-ce qui attire les gens ici en général? Quand l'être humain se trouve, disons, sur des positions affirmées de la conscience, quand il est entièrement sous son contrôle, alors ce n'est pas du tout compréhensible pour la conscience. Qu'est-ce qui peut bien attirer autant de gens dans Alatra? Même en lisant des livres, certaines personnes, en les filtrant à travers leur conscience, à travers leur vision, les seules choses qu'elles cultivent en elles-mêmes sont une sorte d'envie et de haine. Mais encore une fois, ceux qui s'occupent de leur développement spirituel comprennent parfaitement que la même envie, la même haine provenant de la conscience, c'est justement ce gardien qui ne laisse pas passer, qui enferme la personne loin des vérités spirituelles. Oui, il s'agit du placement de soi, c'est-à-dire comme lorsqu'une personne se met à la place d'un certain héros ou d'autres choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à s'assimiler, il est nécessaire d'être soi-même. Le fait que les gens fassent l'erreur en cherchant, disons, à obtenir certains biens matériels pour eux-mêmes, au moyen du monde spirituel. Bien, c'est certainement incorrect, et nous parlons de cela. On ne peut rien demander d'autre à Dieu que le salut spirituel. C'est correct. Mais la conscience de chacun, disons, qui n'est pas libre, dont la personnalité est immature, la conscience les manipule et les gens sont enclins à faire des erreurs. Une autre chose est lorsque l'être humain fait le choix définitif, lorsqu'il prend conscience de ses erreurs et il comprend tout simplement qu'il a fait une bêtise. Il lui arrive une catharsis intérieure. Une autre personne vient alors chez nous. Ce n'est pas celle qui était là avant, mais une nouvelle personnalité. Mais c'est son droit, son choix. Quand une personne s'ouvre légèrement et perçoit cette vérité qui est exposée dans le même livre Alatra, ou celle qui est transmise par des personnes qui ont elles-mêmes acquise cette expérience, alors les gens, en retrouvant la liberté spirituelle grâce à Alatra, commencent à comprendre leur religion. Ils commencent à les apprécier différemment
et à les respecter. C'est important aussi, c'est bien aussi. Et en effet, je ne me souviens pas de tel cas où quelqu'un ait abandonné une religion, soit passé à une autre, ou quelque chose de similaire dans Alatra. Dans la vie quotidienne, cela arrive souvent, et chaque jour, et la compréhension vient. Pourquoi un tel rite ou un autre existe, et qu'est-ce qu'on a voulu dire par cela? C'est clair qu'il y a aussi beaucoup d'ivraies qu'on commence à comprendre aussi. Eh bien, excusez-moi, ce sont les effets secondaires des vraies connaissances. C'est ce que les gens ressentent aussi aujourd'hui. Justement, dans le projet « Une seule et même graine », il soulève beaucoup de ces questions. La catharsis est nécessaire partout. Et c'est normal, ce n'est pas grave. Et encore une fois, c'était les gens qui créaient, les gens qui écrivaient, les gens inventaient des rites, etc. À l'époque, ils étaient d'actualité. Maintenant, ils ne sont pas compréhensibles pour beaucoup de personnes. Mais la plupart de ces mêmes rituels ou cérémonies sont nécessaires, simplement comme un fait historique. Que ce soit une mise en scène, une sorte d'action théâtrale, mais cela fait aussi réfléchir les gens au sujet de Dieu. Est-ce mauvais? C'est déjà bien. Encore une fois, c'est comme ce théâtre qui... Une pièce qui a été écrite autrefois, mais elle est mise en scène aujourd'hui, et nous comprenons comment les gens vivaient avant. Donc, c'est pareil ici, car c'est notre histoire. Comment pouvons-nous la négliger ou l'écarter, puisque c'est l'héritage de nos ancêtres? Ceci est également important, mais il ne faut pas oublier de se sauver spirituellement. Sauf vous, les gars, personne ne fera votre chemin à votre place. Ceci est également important. En réalité, beaucoup de religions apportent beaucoup de choses bien dans cette vie. La même morale, la même histoire. Et encore une fois, l'expérience spirituelle que les personnes partagent, cet héritage spirituel, il ne peut pas être exclu. L'héritage spirituel est basé sur les prophètes, il est basé sur Dieu. Et c'est important, c'est nécessaire en réalité. Et celui qui veut et aspire à Dieu, alors, excusez-moi, aucune institution n'empêchera une personne d'atteindre Dieu. Ce sont ses affaires intérieures, disons, c'est sa vie qui est acquise par elle-même. Oui, et nous parlons seulement de la simplicité de la voie. Et nous parlons juste des connaissances, mais pas plus. Le fait est qu'en réalité, sauf l'être humain lui-même, personne ne passera son chemin à sa place. Les gens en parlent. Voilà maintenant que les participants du projet Une seule et même graine communiquent, interviewent des scientifiques du monde entier, ainsi que les gens par des enquêtes sociales. Et les gens parlent passionnément de ce sujet. Et tous ensemble, d'une seule voix, constatent que, eh bien, même en anglais, en toutes les langues, les gens d'Inde, d'Afrique, d'Amérique disent ressentir et voir qu'un être humain a besoin d'avoir un lien personnel avec Dieu. Et qu'il n'a pas besoin d'intermédiaire. Autrement dit, les gens sont... C'est tout simplement incroyable que les premières personnes, par exemple, qu'on rencontre sur notre chemin, en parlent. De différentes origines, de différentes nationalités. Chacun en sa langue exprime cela. Bien sûr, en fonction de la culture, par des associations et des exemples un peu différents. Mais l'essentiel est le même. Encore une fois, bien sûr, c'est la culture. Mais l'essentiel est que les gens le voient. Ce qui est important, c'est que les gens comprennent l'essentiel et qu'ils comprennent ce qui unit. Ce qui divise, c'est une mentalité un peu différente, ainsi que les langues. Encore une fois, si nous mentionnons ces mêmes formes de communication verbale, en effet, car dans de nombreuses langues, des langues techniques, au sens propre, il n'y a même pas de notion de l'âme, d'usha, et de l'intégrité, sovist, où ils sont complètement confondus, où ils sont complètement déformés. De plus, ils sont mélangés avec le mot conscience, saznanya. Ce sont bien sûr les plus... C'est aussi un facteur très sérieux. Malgré tout, Dieu merci, les gens restent les gens. Comme ils étaient des personnalités qui aspirent intérieurement à Dieu, ainsi, ils sont restés. Et il leur suffit même de toucher un peu la vérité, que cette flamme s'allume en eux. C'est la flamme de l'amour de Dieu. On ne peut pas le dire autrement. Et ici, bien sûr, ils sont prêts à réchauffer le monde entier avec leur flamme. C'est merveilleux. Oui, c'est important. C'est nécessaire. Les participants du mouvement public international Alatra, venant de plus de 140 pays du monde, sont très activement engagés dans le processus de recherche, d'analyse, d'étude de toutes les graines de vérité qui se trouvent à la base de notre vie, qui sont vraiment à la base de toute religion. Les gens parlent ouvertement et véridiquement du fait que c'est seulement la conscience qui nous sépare, alors que ce sont les gens qui unissent. Et c'est justement l'héritage spirituel commun, qui est le même pour tous. Et comment l'identification des graines communes dans toutes les religions aide à découvrir et à faire grandir en soi cet esprit d'unité, d'amitié et de compréhension mutuelle qui sont en réalité naturelles dans la vie de l'être humain et pour toute l'humanité.
Le projet Une seule et même graine unit les gens sur toute la planète à partir des valeurs spirituelles intérieures. Grâce au projet Une seule et même graine, j'ai commencé à étudier les sources spirituelles et partout on peut découvrir une seule et même graine. Et là, cela aboutit à une compréhension que la conscience nous divise au profit de ses désirs matériels. Malgré ce fait, nous avons tous une seule essence, l'essence spirituelle. Grâce à ma participation au projet Une seule et même graine, j'ai découvert beaucoup de choses intéressantes, ce qui émane du cœur. Je remercie Alatra de m'avoir donné une telle chance. Dans Alatra, toutes les personnes sont bonnes et sincères, de bonnes personnes curieuses et ouvertes à la nouveauté. Et c'est très cool que l'activité d'Alatra augmente de plus en plus. Ce projet, une seule et même graine, unira les communautés du monde entier. Scientifiques, chercheurs, historiens. Je salue votre mouvement et le projet Une seule et même graine. En faisant de l'étymologie, on peut restituer le mode de pensée des ancêtres et de se rapprocher un peu plus du suprême. Pour la société antique, ce que nous appelons la mythologie, c'était très réel. Cela faisait partie de la vie de la société. La mythologie était vraiment la base des valeurs spirituelles et morales. Il faut chercher non seulement dans la religion, mais aussi dans la science et dans l'art. Il est nécessaire de chercher cette seule et même graine en tout. Nous essayons de suivre cette connaissance que nous assemblons, en la tirant de notre propre expérience, en apprenant, en étudiant différentes cultures et orientations. Voyez-vous, malgré l'opinion répandue, les ancêtres n'étaient pas du tout focalisés sur la mort. Au contraire, ils étaient très focalisés sur la vie. Quelqu'un peut l'appeler l'amour, quelqu'un d'autre la compassion, ou un autre encore Dieu. Nous l'appelons par des mots différents, mais pourtant nous avons bien tous ce sentiment et c'est ce qui nous unit. Je pense que nous sommes tous unis par l'âme et que nous sommes tous des êtres humains. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui aide les gens à vivre en paix? Je comprends que nous sommes tous des êtres humains. Chacun est un être humain similaire. Et je pense qu'il est très important de comprendre cela. Et je perçois chaque personne dans ce monde comme un ami, comme un être humain. Toshi, à votre avis, qu'est-ce qui unit toutes les personnes? Chez toutes les personnes, indépendamment du pays et de la nationalité, y a-t-il quelque chose d'identique à l'intérieur, de commun? Chaque personne en elle, dans le cœur, ainsi que tous les habitants sur Terre, ont cette chaleur intérieure en eux. Et on peut dire que c'est cette énergie qui unit les personnes et que grâce à elle, le monde devient meilleur. Allah nous a créés pour que nous soyons tous frères, pour que tous les peuples du monde vivent en harmonie les uns avec les autres. La sainteté n'est pas quelque chose d'utopique, c'est le premier devoir de l'être humain. Il y a quelque chose que tu ressens toujours, un sentiment qui existe toujours entre les personnes. Et c'est seulement à ce sentiment en soi, dans le cœur, en quoi j'ai confiance. À l'intérieur, nous sommes tous unis par un esprit commun. Nous sommes tous un, nous tous. Jerry, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui unit toutes les personnes? Je pense que l'essence de l'être humain, c'est tout d'abord ce qui est à l'intérieur, en toi. Et je pense que ce qui unit le plus toutes les personnes, c'est la raison pour laquelle nous sommes tous sur cette planète. C'est pour savoir qui je suis, car la source de tout est en nous. Grâce à ce projet, j'ai réalisé en pratique ce qu'est ce seul et même. J'ai appris quelque chose qui unit les gens sur toute la Terre. Le projet Une seule et même graine est merveilleux. Dans ce projet, j'ai compris ce qu'est l'interaction réelle, la coopération. Dans l'ensemble, dans tous les projets du mouvement Alatra, je découvre cette réelle interaction, ainsi que l'unité avec les gens. Je suis très reconnaissante d'avoir la possibilité d'y participer. Vous faites quelque chose d'absolument juste, de nécessaire. Ce que vous faites, c'est que vous créez et communiquez avec chaque personne, avec une partie de son âme. Et nous souhaitons que, bien sûr, l'immense résultat de votre travail ait un impact, soit d'une grande utilité pour toutes les personnes, réellement pour le bien de la bonté, de la paix, de l'amour. Et en conclusion,
Je voudrais m'adresser à tous les participants de la TRA, dans le monde entier. Ce que vous faites est sacré. Il est nécessaire de continuer le mouvement. Ces projets que vous faites changent l'humanité à un niveau spirituel et moral. Et c'est magnifique que vous agissez activement. Les changements sont nécessaires et les changements commencent par nous-mêmes. Je soutiens la bonté en action. Merci. Les connaissances de l'histoire aident à former le jour de demain. C'est la vérité. Les gens qui perdent leur histoire, ils oublient non seulement ce qui est arrivé, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe maintenant. Et c'est un point important. Voilà, Igor Mikhailovich. Pour revenir à la question de l'histoire, il est impossible de ne pas attirer l'attention sur le fait que l'histoire de la civilisation moderne est présentée et généralement, en principe, est regardé du point de vue des événements politiques. C'est juste un instrument. Malheureusement, beaucoup de gens utilisent l'histoire comme un outil pour atteindre leur objectif politique, non seulement politique, mais aussi économique. Et en règle générale, ce sont des intérêts privés de certains groupes de personnes. C'est pourquoi tant de choses ont été substituées. Pas besoin d'aller plus loin. Si nous regardons, disons, la même Égypte ancienne, n'est-ce pas? Un pharaon arrivé, effaçait immédiatement les noms de l'autre et écrivait les siens. C'est ainsi que les gens sont. Mais nous parlons de l'histoire qui ne peut être effacée, de cette histoire qui a réellement eu lieu. Et elle est dans la mémoire. À ce jour, nous trouvons beaucoup de preuves de ces mêmes mégalithes, ainsi de suite. Au sujet de la soi-disant pré-civilisation, c'est-à-dire de la civilisation précédente qui avait un développement beaucoup plus élevé que la civilisation moderne, il faisait écrire ce que nous n'avons pas la force de faire aujourd'hui. Mais l'histoire passe cela sous silence. Ainsi que notre existence en tant qu'espèce, en tant qu'un homo sapiens, n'a que 8-10 000 ans. Et pourtant, il y a 12 000 ans et plus, il s'avère qu'il y ait une civilisation qui était supérieure à nous. Mais beaucoup d'historiens disent que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de confirmation, pas de données. Eh bien, que dire? Eh bien, si c'est non, c'est non. Pour eux, c'est non. Pour les autres, oui, il y en a. Ainsi, il s'avère que l'histoire, c'est comme un otage de la politique. Bien qu'auparavant, en effet, l'histoire s'enseignait précisément du point de vue des connaissances spirituelles. Mais c'était une histoire légèrement différente. Ce n'était pas tant une histoire, mais plutôt un héritage. C'était précisément un héritage spirituel qui était transmis. Et l'histoire a été vue sous un nouveau jour, car, à ce jour, l'histoire, c'est encore une fois un outil de manipulation, pas plus. Elle est au service de celui qui est appelé dans les religions le diable, ou encore, disons plus simplement, les intérêts du système, les consciences des gens, leurs préoccupations matérielles, tout simplement. Évidemment qu'autrefois, il existait une époque où l'histoire était une source d'inspiration spirituelle pour les gens. Disons-le ainsi. Or, le fait est que si l'on ne considère pas l'histoire précisément, vous le dites, comme un patrimoine spirituel, puisque réellement, il est impossible de comprendre quoi que ce soit, ni les raisons, ni les conséquences des événements qui se cachent en réalité derrière ce théâtre politique se déroulant et se présentant à l'humanité actuelle. Mais là encore, c'est l'un des instruments. Pourquoi dans le monde moderne, l'histoire a-t-elle été retravaillée et se retravaille? Pourquoi ces mêmes héritages sont-ils effacés? J'ai mentionné auparavant les sœurs Alat. Autrefois, les uns parmi les premiers musulmans, des nomades arabes, ils percevaient en effet et savaient qu'Allah avait une femme Alat. C'était leur foi, c'était leur religion. Après tout, quelle était la relation avec Alat? Les interprétations, à nouveau, des mêmes premiers musulmans à cet égard, ce qui se passait dans les années à venir. Pendant tous ces siècles, toutes les mentions d'Allah se détruisaient. Pourtant, avant l'islam,
Allat, c'était ce qui était considéré comme la force de Dieu. Et tout le monde le savait. Et justement ce signe, ici nous l'avons dans le cube sur la table. Nous le trouvons aussi au Triplia, excusez-moi, et aussi en Amérique, et partout dans le monde. Des signes qui datent d'il y a 12 000 ans ou plus. Cela met les archéologues dans une impasse. Ils disent, eh bien, un artefact qui ne peut pas exister, n'est-ce pas? Pareil que les mégalithes, ainsi que les conséquences des explosions nucléaires et tout le reste. Mais ce qui est intéressant, vous avez mentionné lors de notre dernière rencontre, le grand penseur du cheikh Mir Seyyed Berek, qui a écrit le traité de toute puissance. À la frontière des 14e et 15e siècles. Dans son traité, Berek a évoqué et décrit quasiment tous les aspects de la vie de l'être humain, de la vie, de la civilisation et de l'univers. Et ce qui est intéressant, il a commencé son traité justement à partir de l'histoire. Car en réalité, comme les anciens sages, ainsi que cela nous est parvenu, et comme vous l'avez déjà dit aujourd'hui, celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre à nouveau. Et dans les traités de toute puissance, Berek a commencé précisément avec l'histoire de la chute de l'Atlantide. Et il a expliqué à la fois les antécédents historiques, ainsi que les événements qui ont précédé, et les raisons pour lesquelles l'Atlantide a été détruite. Et par qui? Oui, et par qui? Et ce traité, comme on le sait, n'a pas été accessible longtemps aux gens. Eh bien, presque 200 ans, oui, 200 ans, oui, il a été remis par Tamerlan à la demande de Berek, au suivant, disons, au gardien des connaissances, oui. Les soi-disant Alayar, oui, les soi-disant Alayar, tout à fait juste. Et 200 ans plus tard, à la fin du XVIe siècle, les gens du grand primatus ont volé ce travail, mais ils ne l'ont pas tout à fait volé, ils l'ont conquis. Mais effectivement, oui, un élément du vol était aussi présent. Tout ce qui est précieux est usurpé par quelqu'un, car ce traité pouvait réduire à néant l'ensemble de l'institution qui a été bâtie pendant, disons-le ainsi, 1600 ans. Et si seulement il aurait été rendu public, alors, dans ce cas déjà, pourquoi se sont-ils décidés à prendre des mesures extrêmes? Il est nécessaire également de le prendre en compte, car à l'époque, de nombreux livres différents commençaient à être édités. Les connaissances commençaient à être à la mode. Et il suffit de s'imaginer le fait qu'un certain Alayar aurait pris et publié ouvertement le traité de toute puissance, même en version réduite, sans éléments de pouvoir magique, l'acquisition de ses pouvoirs, disons-le ainsi, mais sous une forme simple et brute, ne serait-ce que s'il est exposé la même histoire. Les institutions seraient achevées, oui. Mais comme vous l'avez déjà dit, oui, Mir Seyyed Berek, il était un Alayar. Et, eh bien, il était l'un des derniers Alatkhyar, eh bien, déjà plus proche d'Alayar, oui. Oui. Et en tout cas, il a été appelé Alayar au cours de sa vie. Oui, et tel que précité, c'était justement la transmission orale des connaissances dans la tradition d'Alatriar. Et l'écriture de ce traité de toute puissance, c'était comme une mesure extrême, liée à certains événements. Voilà. Et c'est que, voici un point remarquable sur le fait qu'avec le traité que Timur a transmis au gardien suivant, ait été transféré, aussi le principe même du transfert de connaissances. La tradition, oui, la tradition elle-même, la tradition de la préservation de la vérité, oui, 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 la transmission orale précisément. C'est-à-dire que malgré le fait que les Alayars conservaient ce même traité pendant 200 ans, ils l'ont également minutieusement étudié afin de pouvoir le transmettre verbalement. Et en effet, malgré le fait que le traité lui-même ait été usurpé à la fin du XVIe siècle, en 1616, Soufi Alayar est né. Oui, c'est un célèbre poète, philosophe, mystique du XVIIe siècle. Donc, ses connaissances lui ont été aussi transmises. Et c'est déjà à la fin du XVIIe siècle qu'il a également exposé ses connaissances dans son traité. Et ce traité
ainsi que le transfert oral de connaissances, il est aussi le traité sur l'éternité. Oui, le traité sur l'éternité. Et voilà que déjà le traité de Sufi Al-Ayyar, le traité sur l'éternité, est parvenu jusqu'à nos jours. Il a été conservé. Oui, le temps n'épargne rien du tout. Bien sûr, il est déjà assez vétuste, il n'y en a pas assez d'eux, mais aussi maintenant, il est difficile, vous êtes d'accord pour la traduction. L'état de ce traité n'est pas très bon. Mais ce n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est ce qui est encore conservé en lui. Oui, à proprement parler, pourquoi ai-je mentionné sur celui-ci maintenant? Parce que cela est directement lié au sujet que nous avons abordé, et en particulier l'histoire. Donc la dernière partie du traité, sur les soi-disant derniers temps. Oui, celle-ci, Sufi Al-Ayyar, alors qu'autrefois, cela s'appelait aussi la croisée des temps. À propos des derniers temps, c'est là encore l'influence qu'a subi déjà le Sufi lui-même. Et encore une fois, les mêmes traditions et l'utilisation de ces mêmes connaissances allaient déjà plus vers une telle variante humaine et primitive. Car l'essence même du développement spirituel a été perdue. Regardons le même Sufi Al-Ayyar, car beaucoup de personnes commenceront à l'élever, bien qu'il ait fait une contribution énorme également pour le développement spirituel et principalement pour les musulmans, le peuple turc, mais aussi pour beaucoup d'autres, pas seulement turcs. Il était respecté, et disons-le ainsi, assez sérieusement, parce qu'il avait de vraies connaissances. Mais comment les a-t-il utilisées? Et si nous regardons, qui était-il? Qui étaient ses frères? Ils ont utilisé cela pour le pouvoir. Un peu, un tout petit peu pour eux, mais c'est tout de même pour le pouvoir. De nouveau, l'usurpation. De nouveau, l'utilisation des mêmes forces et des connaissances pour le soi personnel. Pourquoi? Parce que déjà même avant Berek, le même Berek, il utilisait déjà ses connaissances comme de la magie. Souvenons-nous de l'histoire de Tamerlan. Sans Berek, il y aurait Timur, duquel l'histoire ne se serait pas souvenue, et il y en avait des milliers comme lui. Mais pourtant, il est devenu Tamerlan. Et le fait que Tamerlan lui-même ait reçu le grand honneur d'être enterré au pied de Berek lui-même parle du fait qui était réellement Berek. Tout le mysticisme, même le fait lui-même, et c'était vraiment le cas, lorsque la tombe de Tamerlan sera ouverte, alors une grande guerre commencera. Et pourtant, c'était réellement écrit. Et cela est arrivé ainsi. C'est un fait d'histoire. Mais la question est dans le fait que la guerre n'a pas commencé à cause du fait qu'ils l'ont ouvert. Alors qu'ici était, disons, une proscopie ordinaire. Oui, des gens qui ont écrit cela. Il y avait une compréhension que cela serait ouvert exactement quand la guerre commencerait. Ici, c'est la coïncidence des circonstances, tout simplement. Si seulement ils avaient voulu et avaient ouvert un an ou cinq ans plus tôt, alors la guerre n'aurait pas commencé. En revanche, ils étaient obligés d'ouvrir précisément quand la guerre a commencé. Et ces facteurs de rattachement sont nombreux. Eh bien, encore à quoi ça sert? Encore une fois, ils utilisaient les connaissances comme un instrument pour s'exalter et obtenir son propre pouvoir, alors que Berek avait un pouvoir énorme. Celle du Sufi Al-Ayyar était moindre, mais également significative, et lui aussi était loin d'être dans la misère, disons, en utilisant les connaissances. Et dans cela réside aussi le sens. C'est vrai, c'est la vie. Et si nous lisions, eh bien, Dieu merci, nous le lisons. Eh bien, peut-être que Dieu donnera, et d'autres aussi liront son traité. Et là encore, tout le sens et l'intérêt de Sufi lui-même est de nouveau évident dans ce dernier. Si nous prenons ses autres œuvres qu'il a écrites pour les gens, oui, pas pour les initiés dans le secret des Al-Ayyar, mais pour les gens ordinaires. Car là aussi, il y avait beaucoup, beaucoup de spirituel, et vraiment beaucoup venant de la conscience. Parce qu'ils ont perdu ce que justement les sœurs Alat donnaient au monde. Car elle donnait des connaissances pures. Elle parlait de l'amour unificateur. Et elle disait que les forces d'Allah, la force de Dieu, que l'être humain ne peut l'utiliser seulement pour le spirituel. Et sa force physique, il doit l'utiliser pour acquérir du pain. C'est-à-dire, la matière doit prendre soin de la matière, et l'esprit exclusivement de l'esprit. La tentation est grande. Je comprends qu'on veut utiliser les forces
ne serait-ce qu'un tout petit peu pour soi-même. La conscience est une grande maligne, tout à fait juste, et cela a donné à nouveau son empreinte. Bien entendu, c'est une interprétation. Et ici, il ne faut pas oublier que... Et si nous prenons les deux traités, sur l'éternité et sur la toute-puissance de Bérec, nous allons trouver là encore d'énormes différences. L'essence est restée la même, bien que les apports provenaient des gens. Mais remarque, puisque les premiers Alatriars portaient les connaissances, et avant Bérec, de ce qu'il a écrit, des changements sérieux sont survenus. Bien sûr, mais avec une moindre déformation que 200 ans et des poussières après. Car le soufi a apporté des changements dans le traité de Bérec, puisqu'il avait le traité de Bérec, dans le traité sur l'éternité, beaucoup plus que tout au long des milliers d'années. Et c'est dans cela que réside le paradoxe. On ne peut pas faire ce qui est défendu de faire. Cela engendre de mauvaises choses. On dit, est-il possible de tuer le dragon qui garde une caverne pleine d'or? C'est impossible. Pourquoi? En le tuant, tu deviendras lui-même. C'est dans cela que réside le sens. Oui, et dans la dernière partie de son traité, Soufi Al-Ayyar décrit justement les soi-disant derniers temps. Oui. Si nous regardons notre civilisation, alors il y a énormément de coïncidences et littéralement beaucoup justement dans de très petits détails. Là, il décrit qu'il y aura environ 8 milliards de personnes sur la planète. Il décrit clairement l'état technologique de la civilisation, c'est-à-dire le niveau de développement technologique, la fin des temps, le progrès technologique, l'utilisation de l'énergie. Eh bien, les hydrocarbures étaient déjà utilisés un peu en son temps, mais en tout cas, il décrivait aussi les énergies renouvelables et sur le fait que le soleil, à propos des moyens de communication, de tout, oui, tout à fait juste, que les gens n'auront pas besoin de posséder de grandes connaissances cachées pour s'entendre les uns les autres. Il leur suffira d'avoir seulement dans leur poche. Oui, c'est la vérité. Il a également parlé du fait, ce qui a été mentionné aujourd'hui, le fait que le temps s'accélérera. Et il a mis un important accent sur les changements climatiques et géophysiques qui vont se produire sur la planète. C'est inévitable. Donc ici encore, un parallèle s'impose de soi, qui est de nouveau en lien avec le début du traité, et aussi avec le début du traité de Bérec, qui a commencé précisément par l'histoire de la destruction, l'histoire de la chute de l'Atlantide. Et si nous établissons des parallèles, nous trouverons énormément de... C'est justement pour cela qu'on a besoin de l'histoire. En connaissant le passé, nous connaissons le futur. C'est en cela que réside le sens. We'll be right back.
Si nous regardons aujourd'hui la situation actuelle, quelqu'un nie le réchauffement climatique, quelqu'un se bat pour lui. Mais c'est, honnêtement, là encore un instrument lucratif pour beaucoup de gens. Et ce qui se passe aujourd'hui derrière la fenêtre, ce n'est pas un résultat, ou plutôt pas la conséquence des activités de l'être humain, n'est-ce pas? Bien sûr, ce n'est pas un facteur anthropique. Ce n'est pas un résultat de l'activité, disons, du développement de la civilisation, des rejets et tout le reste. Cela impacte, mais je comparerai ici l'influence du facteur anthropique sur le réchauffement climatique. Je m'excuse pour un tel exemple. Il n'est pas tout à fait plaisant, mais il donne la compréhension. Lorsqu'une personne est tombée malade, à titre d'exemple, de l'oncologie, et la médecine l'a déjà refusée, elle ne peut rien faire. Là, les médecins ont baissé les bras et disent « Désolé, il vous reste peu ». Et pendant ce temps-là, la personne continue à déroger le régime alimentaire, et elle fume en plus, la vilaine. Et là, les médecins arrivent à la conclusion que c'est le fait de fumer qui la tuera. Comprenez-vous? Eh bien, nous avons une situation similaire maintenant. Ce qui se passe, c'est l'un des cycles dans lesquels nous entrons, et il est inévitable. Mais le facteur humain, eh bien, ça équivaut au fait de fumer avec notre pauvre malade, vous comprenez? C'est-à-dire que oui, nous aggravons un peu, un jour ou deux, pas plus. Dans les faits, globalement, c'est un sujet très sérieux, et nous en avons parlé il y a longtemps. Maintenant, beaucoup de gens en parlent, mais peu de ceux qui entendent. Et encore une fois, l'information qui est servie, c'est comme des cris. Les loups, oui garçon. Lorsque le troupeau était entouré de loups, peu importe comment tu cries, personne n'y croit plus. Et en vrai, nous le voyons déjà derrière la fenêtre. Le rapport sur les changements climatiques a été déjà écrit depuis un moment. Il en parle plus en détail, même si c'est aussi sous une forme générale. On ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas. Nous n'avons pas le droit de divulguer tout cela, disons pour le peuple. De la même manière dont l'a fait la NASA, disons, au sujet du 1er février 2019. Pendant 15 ans, on observait un astéroïde. Le voici s'approchant. Ils l'ont mis en ligne pendant 4 jours. Quelle agitation a-t-elle commencé? Ils l'ont retiré. Ils disent qu'il va passer à côté. Mais en réalité, personne ne sait s'il va arriver ou non. S'il passera à côté ou pas. Pour l'instant, c'est toujours une question en suspens. Mais pourtant alarmante, car cela peut changer vraiment beaucoup et brusquement. Eh bien, même s'il n'arrive pas. Et voici qu'un point qui s'ensuit. La personne va-t-elle suivre le régime et de fumer ou non? Nous retournons de nouveau à notre patient. Il est clair que l'astéroïde qui doit venir ne détruira pas la planète entière. Eh bien, peut-être cela fera des dégâts sur un quelconque continent. Beaucoup de gens vont mourir, mais la majorité peut survivre. Mais il accélérera le processus lui-même. De même que le fait de fumer accélère le développement de l'oncologie chez le patient, que nous avons cité en exemple. Cela conduit à la létalité, et c'est inévitable. Et nous avons beaucoup de choses qui basculent vers le mauvais. Et en principe, c'est peut-être juste. Beaucoup diront, eh bien, à quel point c'est injuste, puisque c'est la vie. Et qu'est-ce que nous faisons en réalité? Mais honnêtement, en mettant la main sur le cœur, qu'est-ce que nous faisons pour rendre notre vie meilleure? Pour tous les gens, pas notre vie personnelle. N'en est-il pas ainsi? Tout le monde prend soin de soi. Nous sommes ici 7 milliards et demi, n'est-ce pas, à ce jour. Eh bien, c'est presque plus près du nombre que suffit à exprimer. Mais en même temps, qui est vraiment préoccupé par l'humanité en tant qu'une seule et même famille? Non, ce n'est pas le cas. Tout le monde est préoccupé par soi. Les religions sont séparées. Elles croient en un seul Dieu. Mais pour une raison quelconque, Dieu, curieusement, est ce diamant qui rayonne justement mieux de leur côté. Et des autres côtés, non. Tous les politiciens sont séparés. Chacun pense à soi. Eh bien, c'est compréhensible dans la politique. Les affaires et les intérêts de certaines personnes sont derrière les politiciens, de certains groupes. Mais peu importe combien un homme d'affaires consomme, tout cela finira un jour, n'est-ce pas? Après tout, une personne ne peut pas consommer plus de ce qu'elle peut en contenir. Excusez-moi pour un tel exemple, mais c'est vrai. De combien l'être humain a-t-il besoin? Rien du tout. Mais d'autres personnes sont soumises au même exemple.
Et quand on dit dans de tels cas, mais c'est injuste, et Dieu est injuste, alors que Dieu n'a rien à voir avec cela. Tout cela est une conséquence de notre activité. Et si nous regardons attentivement, eh bien, nous ne pouvons pas regarder dans le traité de Bérec. Mais là encore, même Sophie Alayar décrit dans son traité sur les derniers jours qu'il y a une seule possibilité de changer et de survivre pour les gens, à laquelle ils sont peu susceptibles d'y avoir recours. Il est peu probable qu'ils vont y recourir, le dit-il ainsi. Et la possibilité est là. Et qu'est-ce qui est nécessaire et pourquoi le dit-il ainsi? Eh bien, allons-y, analysons. Juste imaginons tout simplement que Dieu nous préserve maintenant, que ça commence dès maintenant. Que va-t-il arriver? La mort d'un grand nombre de personnes conduira à la destruction des États en tant qu'institution. Qu'est-ce qui va se former? Des gangs. Les gangs qui sont bien armés. Ils enlèveront un morceau de pain aux enfants et à tous les autres, car l'humanité est passée par cela plus d'une fois. N'est-ce pas? Ils vont se battre pour survivre, même pour un jour de plus, bien qu'il y aura une compréhension que nous y allons tous. Est-ce que quelqu'un pourra résister afin d'unir les gens? Pour apaiser, pour partager ce qui reste, ce qu'il y a, et s'efforcer à créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un monde uni? Non, personne ne le fera. Chacun va survivre et se battre pour lui-même, n'est-ce pas? Si. Et que font les gens maintenant pour empêcher que cela arrive? Rien. Dans les faits, rien du tout. Si ce n'est pas le cas, alors dites-le, s'il vous plaît. Quiconque parmi vous, qu'avez-vous fait aujourd'hui depuis le matin? Qu'avez-vous fait hier pour unir tous les gens, pour que les gens deviennent meilleurs, plus purs intérieurement, pour soi, pour devenir soi-même meilleur, plus pur intérieurement, plus honnête, afin d'éveiller en soi l'amour et le respect pour son prochain? Et pourquoi faire? Une question simple. Je suis bien comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je dois me battre pour accumuler quelque chose, survivre en quelque sorte et ainsi de suite. De nouveau, c'est la nature animale. La nature animale commence à dominer chez une personne dans le cas d'un certain danger. C'est l'instinct de conservation, l'instinct de survie. Mais excusez-moi, si les gens se transforment en troupeaux, alors le résultat est inévitable. Et cela a été dit non seulement par Bérec ou Sophie Alayar, cela a été dit bien avant eux, et plus d'une fois. L'histoire, elle se répète. Et ici, on n'a pas besoin d'avoir le don de la prévoyance ou encore autre chose pour dire ce qui va se passer. Encore une fois, nous en parlons et nous en parlons depuis longtemps. Eh bien, Dieu merci, oui, maintenant beaucoup de gens qui entendent. Mais beaucoup de ceux qui entendent, en réalité, cela représente un grain de sable parmi presque 8 milliards de personnes, n'est-ce pas? On va commencer à nous écouter plus sérieusement quand la botte va crisser. J'entends l'Italie. Ce qui va se passer là-bas, et nous le prononçons maintenant. C'est à ce moment-là que les gens vont commencer à s'interroger. Il se peut que nous ayons raison. Mais encore une fois, en étant perdu dans ses pensées, en étant distrait par quelque chose, l'être humain commencera à faire ce qu'il fait habituellement. Il n'ira pas chez son voisin en disant « Voisin, et si nous parlions avec toi, juste tout simplement, à propos de l'âme à l'âme, ou comme vous voulez, juste humainement, pas avec une bouteille, allons prendre un verre avec toi. Et si nous parlions de ce qui est éternel, eh bien, pouvez-vous imaginer cela en nombre ?» Difficilement, n'est-ce pas? Anichka même sourit, parce que c'est vraiment difficile de se l'imaginer. Eh bien, alors il est possible de prendre une bouteille, d'aller chez votre voisin et dire « Et si nous trinquions comme si nous n'étions plus vivants? » Et ce sera juste. Et ce ne sont pas des cris « les loups », c'est une inévitabilité qui est là, derrière la fenêtre. Je dirais plus simplement, ce n'est pas dans mes règles de prédire quelque chose, de donner des prévisions, mais juste brièvement, je dirais simplement aux hommes d'affaires respectueux que je ne ferai pas d'investissement à long terme dans de nombreux pays, mais y compris, par exemple, aux États-Unis, au Japon, en Chine. Je ne le ferai pas simplement. Je n'entends rien de mauvais et je ne présage rien. Ce sont des faits avérés qu'on ne peut pas effacer. Et en général, qu'est-ce que l'investissement? Qu'est-ce que l'argent? Un peu de temps passera. Le papier restera un morceau de papier. Je ne dis plus rien au sujet des crypto-monnaies ou autres. Tout cela disparaîtra du jour au lendemain. Alors quoi après? Mais pourtant l'humanité, qui pourrait s'unir, s'unir dans l'amour et le respect, comme une seule famille, ce qu'elle devrait être en réalité, toute cette humanité,
Elle serait capable de résister à tout, absolument tout. Elle est compréhensible, en tout cas, elle est trop tard pour refaire l'histoire et faire quelque chose. Quel que soit notre souhait par rapport à cela, nous ne pouvons plus y arriver. Nous avons dépassé ce temps pour que tout se passe en douceur, pour qu'il n'y ait pas de destruction et qu'il n'y ait pas de catastrophe. Il y aura, c'est déjà inévitable. La question est de savoir comment nous allons traverser cette période de temps. Avec quelle issue? Comme ce patient dont je parlais qui continuait de fumer et de déroger au régime malgré le diagnostic. Et comment ça va finir? Ainsi que pour lui-même. Ou y aura-t-il tout de même encore une chance de survivre, et ce, pour la majorité de l'humanité? Et c'est justement ici qu'une légende née, qui existait encore à cette époque, que seuls les fidèles survivront. Et cela ne voulait pas dire qu'ils obtiendraient la vie éternelle pour des mérites quelconques ici devant quelqu'un, non. Ce qui était sous-entendu était une histoire banale qui se répète. C'est clair que seuls ceux qui s'unissent dans une compréhension autre peuvent survivre. Pas par un facteur physique, celui qui est plus fort et qui a plus d'armes est celui qui peut arracher quelque chose à quelqu'un. Cependant, étant donné le développement actuel de la situation, il en sera ainsi. Mais ce ne sera pas pour longtemps non plus. Tout se finit, et très vite, et les conditions sont extrêmement difficiles. Eh bien, tout finira. Ou une autre alternative. Quand les gens prendront des mesures décisives, et c'est là justement qu'on parlait du fait qu'ils seront capables de s'unir et pourront résister, alors ce ne serait pas effrayant quand une partie des gens vont se déplacer d'un point à l'autre de la planète. Nous trouverons de la place partout. Il est possible de dormir et de travailler à tour de rôle. L'essentiel est que tout le monde soit vivant et bien nourri, n'est-ce pas? Et tout dans l'amour. Mais cela n'est possible que si une compréhension est atteinte dans chaque famille, dans chaque personne, et quand toute l'humanité deviendra une seule famille. Et ceci n'est possible que sur la vérité, sur l'amour, sur la vraie liberté spirituelle. Sinon, tout sera terrible. Ces dernières années, nous avons vu la migration de petits groupes de personnes seulement. À quoi cela a-t-il conduit? La collision de deux cultures. C'est un désastre pour tant de gens, n'est-ce pas? Les gens viennent dans une autre culture avec la leur, avec leur tradition. Ils ne se comprennent pas parce qu'ils sont avant tout séparés par la conscience. Et s'ils se respectaient vraiment et aimaient vraiment, agiraient-ils ainsi, de la même manière, d'un côté ou de l'autre? Ceux-là ne seraient pas considérés comme des réfugiés et des personnes de seconde zone, et les autres respecteraient les gens chez lesquels ils seraient venus. Ils sont venus visiter. Comment ne pas respecter l'hôte? Comment ne pas respecter l'invité? Donc, d'une part, les croyants sont venus. Ils sont venus chez qui? Chez d'autres personnes croyantes. Ceux-là sont croyants et ceux-ci sont croyants. Alors, excusez-moi, en qui croient-ils puisqu'ils se comportent ainsi? Qui servent-ils? Où ai-je tort en posant des questions simples? Je comprends que l'on peut contester mes mots et parler beaucoup de Dieu. Mais parler de Dieu et vivre de Dieu, c'est une énorme différence. Et c'est vrai. Et agir de la manière qui convient aux personnes spirituelles et parler de cela, c'est aussi une énorme différence. Par conséquent, tout est entre les mains de l'humanité, tant qu'il y a encore une chance. Eh bien, cette chance est seulement exprimée. Mais sera-t-elle utilisée par les gens ou non? Encore une fois, cela dépend de chacun. Ces personnes seront-elles inspirées, comme Nietzsche disait, par la vérité, lorsque cela bouillonne à l'intérieur, on veut réchauffer par toute cette chaleur, parce qu'il a ressenti cet amour, parce qu'il a compris cette vérité, parce qu'il a compris que la conscience est mensongère, n'est-ce pas? Plus de personnes comprendront, plus de personnes cesseront de jouer à la spiritualité, mais commenceront à vivre véritablement, selon les préceptes de Dieu. Non pas selon les préceptes que certaines personnes racontent aux autres, mais selon les préceptes véritables, ceux qui sont intérieurs, chacun les connaît. N'est-ce pas? C'est dans cela que réside le sens. Alors ce sera mieux pour tout le monde. Eh bien, c'est la vie. Et le choix reste derrière les gens.
Et le fait que les événements climatiques se déroulent aujourd'hui, malheureusement à l'appui de nos paroles, et pas seulement de nos paroles, en confirmation à nouveau des paroles du même soufi et de bien d'autres, c'est la réalité d'aujourd'hui. Catastrophic consequences on a global scale for the civilization as a whole. Quante più persone possibile dalle macerie delle case, case inermate. Bilancio di una trentina di feriti e di danni sono ingenti. Tsunami che arrastrò tutta la costa noroeste. Io年,但是我觉得纪录片的剧组他们正好坐在现场拍摄。 Крупный град размером с бейсбольный мяч вот так штат отпало. There's 4 to 5 inches of ice. De nombreux scientifiques soulignent ces événements. Par exemple, les scientifiques britanniques confirment que, par exemple, la Terre a commencé à ralentir. Et ces 700 dernières années, elle a ralenti. Ils ont déjà mesuré de 4 millisecondes. Ça a l'air d'être peu, mais c'est catastrophique. Oui, mais en réalité, cela mène à une grande catastrophe. C'est que lorsque la Terre tourne, elle est un peu aplatie, et bien comme les forces centrifuges. Oui, quand elle commence à ralentir, elle commence à prendre une forme proche d'une forme sphérique. Naturellement, la surface du globe change, et il y a des failles tectoniques. Et en conséquence, les plaques vont diverger ou, inversement, se chevaucher. Et les scientifiques pronostiquent que, par exemple, même cette année, l'activité volcanique sur Terre devrait augmenter au moins de 2 fois. C'est-à-dire qu'ils ont calculé qu'en moyenne, de 6 à 7 grands tremblements de terre se produisent annuellement. Cette année, ils s'attendent à une trentaine de séismes majeurs. Et encore une fois, c'est une attente. Et la réalité peut être complètement différente. Et nous voyons, un seul sérieux est suffisant. Oui, incontestablement, pour que toute l'humanité disparaisse. Encore une fois, nous voyons les changements climatiques qui se produisent actuellement sur Terre. La neige tombe dans le Sahara, la Floride gèle, les crocodiles gèlent dans le fleuve. En effet, en grande partie se passe la libération de l'air chaud de certaines parties de terre aride. Eh bien, l'air chaud se déplace vers d'autres territoires. D'une manière générale, les climatologues disent que, par exemple sur la partie européenne, le climat est défini par 2 piliers climatiques. C'est à peu près l'océan Arctique, et le second, c'est le désert du Sahara. Et si le désert du Sahara commence à geler chez nous, cela signifie que l'air chaud va vers la partie européenne. Et nous voyons, nous observons le nouvel an sans neige. Et là, chez nous, il fait très chaud. En réalité, ce n'est pas une bonne situation, car il y a une redistribution de la masse terrestre, car à nouveau, le pergélisol, les glaciers commencent à fondre. Des milliards de tonnes, oui. Non seulement il y a un danger, par exemple, si les glaciers de l'océan Arctique commencent à fondre, alors la densité de l'océan peut changer, car il deviendrait plus dessalé. Et là-bas, comme nous le savons, passe, eh bien, ici se termine approximativement dans la région de Murmansk, un peu plus loin, le Gulf Stream, et tout cela arrive. Il peut simplement s'arrêter. S'il s'arrête, eh bien, il ralentit déjà et c'est visible. S'il s'arrête, alors ce sera dans les faits la période glaciaire que nous avons passée. Pour une certaine partie, oui, et pour une autre, au contraire. Pour une autre partie, oui, il y aura une brusque, eh bien, par exemple, ce n'est pas la pire des choses qui puissent être pour l'humanité. Absolument. La chose la plus terrible, c'est l'activité sismique. Car encore une fois, c'est à cause de la distribution des masses terrestres. De même, ce n'est pas la chose la plus terrible, mais elle peut mener à une catastrophe.
Idem, l'activité astéroïde, les données. Si je comprends, vous aviez probablement en vue l'astéroïde 202 NT7. Tout à fait juste, oui. Eh bien, on parle beaucoup de ce sujet, beaucoup de choses sulfureuses. Oui, il est écrit à propos de cela. C'était attendu. Eh bien, il y a un danger d'astéroïde. Mais pourtant, il ne faut pas avoir peur de ça. Oui, bien sûr. Nous devons avoir peur du fait que nous soyons désunis et le fait que nous essayons chacun de dominer. Finalement, sans aller dans les détails du changement climatique et juste regarder les situations politiques, alors nous pouvons, c'est plus que suffisant, simplement se détruire l'un l'autre. L'humanité a déjà connu une guerre nucléaire et c'était absolument catastrophique. Eh bien, sans parler des astéroïdes, car il y a beaucoup de traces énormes d'astéroïdes sur la Terre. Ce n'est pas un grand problème également. C'est facile de lutter contre ça. Il est impossible de lutter avec le choix humain. C'est la vérité. C'est vrai. C'est la liberté de choix. C'est sacré. Et ce que les gens choisissent, cela arrive. À ce jour, malheureusement, les forces obscures gagnent. Et c'est aussi la vérité. Tout le monde le sait. Et la chose la plus étonnante est que les gens, eh bien, comme chaque personne à qui tu parles, à minima, est un guerrier de la lumière. Mais que fait-elle toute la journée ? Elle sert le système. C'est aussi la vérité. Et alors comment? Eh bien, encore une fois, nos émotions, nos préférences, donc eux aussi, ils se forment. Ils se forment, oui. Ils forment, entre autres, un certain champ émotionnel, obligatoirement, bien sûr, qui influence grandement cette Terre. Et le fait que cela fonctionne, c'est que cela influence vraiment l'environnement et la Terre. Eh bien, voilà un exemple d'animaux peu visibles. Disons-le ainsi, qui volent, ces plasmoïdes. Eh bien, encore une fois, ces plasmoïdes, qu'est-ce qui les attire? Ces émotions? Et comment? Bien sûr, si je comprends bien, ils se nourrissent de ces derniers. C'est-à-dire, par conséquence, là, les gens devraient réfléchir lorsqu'ils manifestent de la colère, s'insultent, haïssent quelqu'un. À qui cela est-il rentable? Ils envient. À qui cela est-il rentable? À ceux qu'ils nourrissent. Oui. Et qu'est-ce qu'ils élèvent? Oui. Vaut-il la peine d'avoir ces chats domestiques quand ils ont les mêmes plasmoïdes autour d'eux? Je pense que c'est ainsi. Le chat est visible. On peut le caresser, on peut l'expulser. En revanche, la partie invisible, bien sûr, elle est plus nocive pour l'être humain. C'est pourquoi nous avons montré au moins ces films. En fait, beaucoup de gens ont vu ces plasmoïdes. Sur Internet, beaucoup écrivent, par exemple, que même avec un flash sur l'appareil photo, on peut souvent les voir sur des photos. Ils sont en nombre, ils sont une multitude. Dans les commentaires sur les vidéos, les gens envoient tout le temps leurs photos, bien sûr. Et la manière dont ils photographient les plasmoïdes. Oui, il y en a beaucoup. Ils sont partout. Partout où il y a des gens. Je dirais plus simple, partout où il y a de la nourriture, il y a celui qui va manger. C'est exact, c'est normal. Eh bien, regardez, chez nous, la population de la Terre augmente. Et il se trouve que lorsqu'une telle masse et sur la position de la nature animale, appelons-la la haine, une sorte d'orgueil, le désir de dominer, alors, naturellement, l'énergie négative augmente sur Terre. Mais en augmentant, elle commence à se concentrer dans certains endroits. Et cela, naturellement, conduit à certaines perturbations, purement naturelles, obligatoirement. Et bien sûr, cela mènera à une catastrophe. Et même cette conclusion semble indiquer, sur la base des traités dont André a parlé, que peut-être 8 milliards, c'est un point critique. Non. En aucun cas. Même que notre globe peut supporter aussi 50 milliards, ce n'est pas un souci. Et pour nourrir, ce n'est pas un souci. Au contraire, la Terre prospérera et aucun astéroïde ne menacera et les tremblements de terre seront contrôlables. Tout cela est possible. Mais maintenant, encore une fois, pour quelqu'un, cela sonne comme un conte de fées, mais tout cela est réel. Mais alors, la conclusion est que le négatif attire le négatif à lui-même. Et si ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et c'est la réalité, c'est la vérité. À cela, notez, si nous revenons, les personnes qui se sont inspirées pour aujourd'hui. Combien sont-elles à répondre? De quoi parlent-elles? Lorsqu'elles vivaient une vie humaine ordinaire, oui, sans s'apercevoir de ses élans spirituels en elles-mêmes, à quel point cela était parfois joyeux, mais pourtant gris, gris et mort. Et maintenant, quand elles ont cette étincelle, quand elles ont ressenti et compris cette essence, elles commencent à partager. Elles partagent avec les autres personnes et rayonnent toujours plus fort, car c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Et l'enchaînement des événements et des éventualités se produisent. C'est-à-dire qu'une personne commence à partager cela et les événements eux-mêmes se forment pour qu'il y ait des possibilités pour continuer. Et ceci, vous le savez, montre un autre fait qu'il suffit juste à une personne de choisir cette lumière en soi. Et cela fait naître un énorme et incroyable enchaînement que la conscience ne peut même pas calculer.
Bien sûr, les événements qui génèrent cela pour s'unir dans un allant nouveau. Et c'est une compréhension intérieure de ce qui est vrai, ce qu'on souhaite trouver, découvrir, s'unir. Cela motive simplement à rejoindre le mouvement. Maintenant, il y a un grand nombre de personnes qui nous rejoignent. Et ce processus augmente constamment parce que chaque personne, elle ne veut pas simplement rejoindre, mais elle veut immédiatement agir. Le bien crée le bien. Il s'avère que tout de même, l'humanité a une chance de tout réparer et de changer. Pas tout, pas tout. Mais je dirais ainsi, l'humanité a une chance de survivre. Il y a une chance de survivre si elle change le vecteur de son développement. Si elle comprend quand même que nous avons exprimé les paroles du Sufi. Eh bien, concentrons-nous sur elle, pas pour tirer nos conclusions. Nous disons simplement, les gens, aimons-nous les uns les autres. Soyons des humains, dignes d'être humains.